Plus grande réserve d'eau douce du Sénégal, le lac de Guière, situé à cheval entre les régions de Louga et de Saint-Louis, assure près de 70% des besoins en eau de la capitale et alimente plusieurs autres localités du pays. L'importance stratégique de cette vaste étendue d'eau douce a conduit l'État du Sénégal à mettre en place en 2010 l'Office du lac de Guière, OLAC. Objectif de cet organisme, assurer une gestion optimale et une planification rigoureuse des ressources en eau du système du lac de Guière. Il y a les décrets, il y a le code de l'eau qu'on va réviser pour permettre donc de mieux protéger. Puisque quand même, il est vrai que nous connaissons l'importance, mais il faut quand même une police permettant donc, et ça pour le faire, pour la protection, il faut quand même des textes pour assurer mieux la police autour du lac. C'est ainsi que le gouvernement du Sénégal, par l'entremise de l'OLAC, a élaboré, en coopération avec le groupe de la Banque africaine de développement, BAD, un important projet dénommé Préfélac, projet de restauration des fonctions écologiques et économiques du lac de Guière. Approuvé par le groupe de la Banque africaine de développement, au mois de septembre 2013, le Préfélac vise entre autres la restauration des écosystèmes, l'amélioration de l'hydraulicité des axes, le renforcement du dispositif de suivi hydrologique et environnemental, ainsi que la réhabilitation des ouvrages de protection et de régulation. Avec la mise en œuvre du Préfélac, la disponibilité des ressources en eau dans le système du lac va non seulement s'accroître, passant de 1,2 à 2,1 milliards de mètres cubes par an en 2017, mais également améliorer considérablement la qualité de l'eau. 4 millions de personnes et 1 million de têtes de bétail auront ainsi un meilleur accès à l'eau. Bala ñi am ndox dañuy son. Gis nga fi ñuy jaar, gis nga fi nu mu salté. Dañuy jaar di daano, yeen saay nga yenn ba faalé daano and ak safar. Nga dem mu duggat ci bi rotat ñu indi wat. Gis nga rek xam nga rek am nga ñun ñi normalement bala ñeneen di am robinet ñun ñew ron jikko am robinet ba faré. Su féké ci règle normal ñun ñew ron jikko am robinet ba faré. Wa Dakar yi am robinet ñun am mënu ñu fexé ba am robinet fam mu yagge ñaat at bañ défaré usine bi nu mu yagge bobu ñun xana juddogu ñu sax mënu ñu fexé ba am robinet nek ci ndox mu metti ñi di dem ak ñew rek. Nous avons entrepris sur les 110 villages recensés qui se trouvent autour du lac et qui n'ont pas d'eau, les 51 vont être approvisionnés au cours de cette année 2014. Nous avons déjà, il y a une première phase qui a démarré en 2013 pour 31 villages et il y a 20 autres qui vont rejoindre ce lot à partir de dans le courant de l'année 2014. Ce qui fera à peu près 51 villages sur les 110. Le reste sera fait en 2015. 30 000 hectares de terres irrigables seront valorisés dans la zone du lac. En plus, le secteur de l'élevage devrait voir ses bénéfices directs croître de 530 millions de francs par an, tandis que la production halieutique aura plus que doublé, passant de 238 tonnes à 486 tonnes par an. L'un des objectifs majeurs du Préfélac est la remise en eau de la réserve spéciale d'avifaune du Ndiaye. Cette réserve, déclarée zone humide d'importance internationale en 1977, au titre de la Convention de Ramsar, se trouve aujourd'hui sur la liste de Montreux du fait de son assèchement. Le Préfélac permettra la restauration de 20 000 hectares de zones humides, abritant des habitats naturels remarquables, avec à la clé la création de 3 000 emplois au profit des jeunes et des femmes, dont 1 000 emplois verts. En fait, plus de 200 000 personnes se trouvant dans la zone du Ndiaye vont bénéficier des retombées de la restauration. Tourisme
comme Djout. Ndax Djout mom dañu am ay camp yo xamni ñu koy def fofu donc aménage nañ ko def nañ ay dex ay gaal di dem tourisme di ñew di sét picci bu boba ñun ñi nekk fi dekk fi ñun ñoo leen reçoir suñu leen reçoir jiriñ bi ñun suñu lay del. Au final, le retrait de la réserve spéciale d'avifaune du Ndiaël sur la liste de Montreux devrait intervenir avant 2020. Réserve stratégique et d'un intérêt vital pour le Sénégal, le lac des Guerres est devenu aujourd'hui un patrimoine national à préserver. Sa protection est essentielle pour assurer sa pérennité au bénéfice des générations futures.